ne pourrais pas en trouver, malheureusement. Parce que je ne sais pas si c'est le temps de la schizophrénie, parce qu'il me semblait que la schizophrénie, c'est quand tu as deux personnalités distinctes. Ou alors ça, c'est un dédoublement de la personnalité. Ah oui, la vache, il y en a beaucoup quand même. Ah, il suffit juste de tous les aligner, ça va nous prendre quoi? 6 à 8 ans, grand maximum. Bonjour. Je crois qu'il se fout de ma gueule. Je... Ah, il y a un portail du Mystic Bullshit là-bas. Faut toujours commencer par les portails du Mystic Bullshit. Un trouble dissociatif de l'identité. Quand tu as plusieurs personnalités structurées, la schizophrénie, c'est quand c'est le bordel. Ok. Salut Cadmoni. Cadmoni qui a quand même bossé pour LFR pendant de nombreuses années. Il connaît donc beaucoup de choses sur les troubles mentaux. Hein. C'est un mec qui connaît son métier, hein, sachez-le. Donc... Alors, c'est bien, mais... on va peut-être baisser le pont. Non, est-ce que je peux baisser le pont? Vous racontez beaucoup de choses là qui me font un peu peur en fait sur le concept général de ce qui est en train de se dérouler là au niveau de la mise en place. Tout ça, tout ça. Ça ressemble à un portail du bullshit mystique aussi, mais il change quoi? À papon, à pont. D'accord. Donc, à passe ce portail du bullshit mystique, à mais à courir parce que je me souviens que la touche existe. Là, on peut descendre ce pont là. Ok, très bien. Go. Merci. Pompon patapon, oui. Effectivement, bonne remarque du chat. Il n'y a toujours pas du coup. Mais peut-être là-dedans. Non. Ah non, je te confirme que I have no ID, mais par contre, il y a ça. Et ça, ça pourrait être utile à un moment. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree and he stabbed himself with a sword. Il s'est pendu, il s'est transversé. Ah oui, c'est... Il y a sacrifice et sacrifice dans votre pays quand même. Non, mais ça a l'air super équilibré, là, votre vision des choses. Je pense qu'il y a vraiment rien de déconnant. Vous avez pas du tout des énormes problèmes. Sauf que jamais de la vie on passe là, en fait. Hein? Non. Heureusement qu'il n'y a pas trop de dégâts de chute dans le jeu. Est-ce qu'il faut que je repasse par le portail du Mystic Bullshit? Je vais avoir l'impression que ça va être ça, le deal. Oui. Oui. On repasse par le portail du Mystic Bullshit. On reprend le pont. Ah! Alors, ça partait d'une super bonne intention, mais il y a une erreur.
Donc si je passe par le... Ou alors c'est un autre portail du Mystic Bullshit qui gère ça. Oh, c'est compliqué. Parce que là, on est d'accord que la porte, elle est super fermée, du coup. Est-ce que là, elle est super ouverte? Je suppose que c'est un truc complètement évident et que je suis en train de le louper et que ça stresse tout le monde. Auquel cas, j'en suis sincèrement désolé. Mais quand vous avez cliqué sur cette chaîne, vous deviez vous savoir à quoi vous attendre. Parfois, la vie, c'est pas du foie gras. Ça, j'essaie de vous l'expliquer à chaque fois. Non, parce que si c'est ça, je peux pas passer. Je peux rentrer dedans, mais je peux pas monter en haut. Et si on reste là-dessus, je ne peux pas rentrer dedans. Ça, c'est la raison pour laquelle la seule personne qui a raison dans le streaming français, c'est ZigZig. Parce que ZigZig du ZigZig RPG, de FF ZigZig, elle termine les jeux entièrement avant de les faire en stream. Et du coup, ça, ça lui arrive presque quasiment rarement jamais. Pas toujours. Mais ça lui arrive rarement, disons. Alors que moi, comme un con qui essaye de faire tous les jeux en blind parce que je trouve ça plus fun, c'est pas une bonne idée. Et oui, elle les stream intégralement aussi. Elle fait que du long play de jeux... elle fait stream intégralement avant de Lost XPit. Alors voyons Cadmoni. ZigZig n'a pas ce genre de moyens, elle lance OBS. Tout le monde ne bénéficie pas de ces moyens techniques absolument hallucinants que certains ont... pour streamer leurs vidéos de renommée désormais internationale dans le milieu du glitch. Tout le monde n'a pas ses moyens, Cad. Certains d'entre nous vivent avec des petites pensions, tu sais. Non, je vais faire 15 fois la même connerie. Bon. Ok, réflexion. Réflexion parce que faire la même connerie en boucle, ça ne fonctionne pas. Ah, ne pas l'ouvrir de ce côté, elle nous a dit. Elle a dit on peut pas l'ouvrir de ce côté, donc ça veut dire qu'on peut l'ouvrir de l'autre côté. Mais qui est con cet homme? Il suffirait... Si je savais que dans la vie il m'aurait suffi d'écouter les voix dans ma tête, ben je serais devenu un vachement plus grand streamer depuis longtemps en fait. Bon, il y aurait eu plus de meurtres aussi. Je cache pas qu'il y a... Il y a des personnes âgées dans la ville de Niederbronn et de Gunderschofen qui auraient déjà... Enfin... Disons que leur fin de vie aurait été plus rapide. Voilà. Pour citer un très grand philosophe français du 21e siècle, une bonne fin de vie. Mais oui. De toute façon, il n'y a que trois choses qui me font peur dans la vie. Moi, c'est les personnes âgées, les chiens et les sorcières. Ce qui va bien jusqu'au moment où une personne âgée, sorcière, vient avec un chien. Là, je suis vraiment dans la merde, du coup. Hop là. Et donc, franchissement du mur. Et donc, on peut aligner le Super Portal. Alors, le Super Portal, il fait quoi? De ce côté-là, la différence me semble ténue. De ce côté-là... Ah, de ce côté-là, ça a déjà l'air de faire bien le ménage, en fait. Parce que là, moult et pléthore de bullshit... Là, moins de bullshit. Ok, donc là, on a fait la moitié du... On a tout le bordel là-bas. Je pense que c'est ça dont il va falloir s'occuper maintenant, c'est ça. Ah oui, on peut descendre ici. Parfait. Non? Non. J'y ai cru pendant un instant. Je peux pas descendre ici? Apparemment, je peux pas descendre ici. Je peux pas descendre là non plus. Non, d'accord. C'est-à-dire que je suis repassé dans l'autre sens? Quel emmerdement!
Je suis certain qu'il va y avoir une raison pour laquelle je dois faire ça. Je suis certain que cette raison ne va pas me plaire. Mais du coup, les voix dans ma tête, certes, veulent ma mort, clairement, mais me filent des indices aussi. Donc il faut que je les écoute un peu attentivement, surtout quand je suis coincé. D'accord. Non, je peux pas passer par là, je peux passer par le côté peut-être, je peux passer par le côté peut-être. Je suis désolé hein, si c'est frustrant pour certains d'entre vous. Croyez-moi que par moments ça va être frustrant pour moi aussi. Mais on va essayer de s'en sortir. Non, je peux pas passer par là. Fuck. Est-ce que par le portail machin là, je peux ouvrir l'accès sur le côté ou pas du tout? Non. Je peux descendre? Non. Bon, les voix, là, vous pouvez pas me filer un petit indice, quelque chose? C'est hallucinant de devoir faire tout le boulot soi-même dans ce jeu. On est 400, il y a personne qui en branle une. Les voix dans la tête, le backseat. Oui, c'est un short de chat. Oui, oui, un peu, oui, oui. Ou est-ce que par là, du coup? Est-ce que cette selle ne sert pas juste à mettre le plot... la rune de plot? Non? Non? Non, il y a pas de zob ici. D'accord. Alors. Non, en vrai, je suis vraiment paumé, là, pour le coup. Autant avant, j'avais une petite idée de truc que je pouvais tester pour ouvrir le machin, autant là, je suis complètement paume-masse. Si on voit au niveau de ce truc-là, de nouveau, peut-être. Non, il me semble pas. Hein. Il me semble qu'on est toujours coincé là en bas parce qu'on peut pas descendre dans l'espèce de petit fossé. Non. Et il me semble que c'est toujours fermé par les machins là-bas. Parce que ce truc-là, ça fait juste disparaître la moitié des symboles, mais... Oui, d'accord, ça fait rien de plus, en fait. De toute façon, comme ça fait disparaître la moitié des symboles, il y a forcément un truc à faire avec cet escalier, il est pas là pour rien, cet escalier. Ou alors, deux secondes. Ou alors, c'est moi qui suis con, c'est possible aussi, hein. Non, ça marche pas comme ça, je suppose. Ok, je suis paume masse. La corde, là? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Est-ce qu'il y a une échelle que j'ai pas vue? Il y a forcément un truc, c'est pas possible. Ah, subitement, tu veux descendre. Ok, très bien. Subitement, tu veux bien descendre. Ok. Bon, ben... Sauf que ça nous renvoie ici. Ok, deux secondes. Non, mais quand je vous ai dit que j'étais pas doué en géo, je ne suis pas doué en géo. Hein. À boire, bonne idée. Hop. Sachez qu'il n'y a jamais le moindre bançon sur ce stream. Et si je vous dis, non, mais me repérer, ça n'a jamais été mon truc, c'est vrai. Ce qui est bien, c'est que ça va faire une super vidéo pour YouTube, ça. Parce que déjà, vous, ben, vous faites chier, hein, ça c'est une évidence. Hein, on est tombé... On a perdu 14 viewers en une demi-heure, là, à peu près. Mais sur YouTube, une demi-heure de mecs qui tourneront dans le même décor et qui trouvent pas une solution et une énigme super simple, ça va pas faire chier les gens du tout, hein, aussi. Alors. Est-ce que ça ouvre pas le passage non plus?
Non, en vrai, si quelqu'un a des conseils là de ce que je suis censé faire ou une idée de ce que de trucs à me donner, je suis preneur. Hein, parce que là, là, I am going to en chier à très court terme. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui pétait un pont, quelque chose comme ça? Ça? Non? Non, pas du tout. Non, ça c'est le pont qu'on a descendu. Focus, focus, je veux bien moi focus, mais. Mais je doute qu'on ait les cartes en main pour pouvoir faire le boulot déjà, non? Parce que si c'est que ça la solution, je vais avoir l'air con. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie, mais jamais de la vie dans le monde de la vie. Et encore qu'avoir l'air con, c'est pas forcément un problème pour moi. Hein. C'est presque plus un métier, un sacerdoce. Une passion de chaque instant. Essayons d'élargir un peu nos horizons. Ça ne résout rien. Très bien. Faut pas passer par tous les portails pour enlever les symboles. Enfin, qu'il en reste trois. Je joue pas au jeu, désolé. J'attends de voir plus de tutelage tribaux pour me lancer. Ah, monsieur Moni, monsieur Moni. Monsieur Moni, je vous en conjure. Non, parce que là, en fait, il y a des pics dans le machin, donc. Mais les autres portails, ça enlève les symboles aussi? Attendez. À première vue, non. Je sais même plus ce qui fait ce portail-là, en fait. Ça se trouve que je suis en train de me foutre bien dans la merde. Alors on va quand même pas passer la dernière heure de stream à tourner en rond là comme des biques. Et par on, je veux dire je, soyons très clairs. Ah bah non, ah bah non, ça c'est pas l'internet que j'ai envie de montrer, ça. C'est pas le stream que j'ai envie de vous fournir. Ça serait honteux. Je perdrais le partenariat immédiatement avant même de l'avoir, ce serait quand même pathétique, quoi. Il sait pas lui-même où il est. Where is she? Where is she? Ben, where is she? Ici dans la colle, hein. Je sais pas, moi. Mettez-moi une flèche. Voilà, vous savez quoi, les flèches? Les flèches, c'est bien. Les flèches, je m'en sors. Mettez-moi une flèche quelque part, s'il vous plaît. D'accord, donc ça nous fait retomber ici. C'est bien. Oui, I am lost. I am super lost. Sur une échelle qui irait de 0 à une série de science-fiction un peu moyenne et extrêmement masturbatoire, je suis totalement lost, d'accord? Non mais ça va, faut pas tout prendre au premier degré non plus, les gens, là. Au bout d'un moment, voilà, si vous commencez à paniquer dès que les gens commencent à avoir des petits trolls, on n'y arrivera pas non plus. Il y a clairement un truc par là. Bon. Clairement, la suite du bordel, elle est par là. Comment j'unlock la suite du bordel? J'ai une idée. C'est probablement pas une bonne idée, mais j'ai une idée quand même. Est-ce que, par le plus grand des hasards, si je redescends et qu'on refait encore pour une 14e fois ce putain de tour, on va réouvrir le mur là. Est-ce que ça ouvrirait pas le mur de l'autre côté aussi? Pas comme si j'avais grand-chose à perdre. Hein. Donc. Parce que ce truc-là, ça ouvre le mur ici. Avec un peu de bol, ça ouvre aussi le mur de l'autre côté, et je le sais pas. Effectuons la vérification. Je veux dire, ce serait cohérent. Absolument pas. C'est chiant. C'est chiant, on se fait chier.
J'ai le sentiment de louper un truc complètement évident. Et ça me rend malade, en fait. Parce qu'on peut pas passer par là. Là, il y a de la pierre, on peut pas passer. Là, il y a des espèces de pics du bullshit mystique, on peut pas passer. Là, il y a une porte. Donc, on peut peut-être descendre là-dedans par quelque part, mais j'ai aucune idée par où. Est-ce que là-haut, il y a un passage quelque part? Genre sur la muraille, une connerie comme ça? Non, hein. Non. Ok. Ça fait 20 bonnes minutes qu'on s'emmerde. Il va falloir trouver une solution rapidement. Je suis à deux doigts d'aller regarder un walkthrough. Je veux pas faire madame dame. Le jeu est très bien. Ça n'est pas un problème de labyrinthisme, c'est un problème de Alten et Padouisme. Hein, très clairement. Ou alors je peux déjà rassembler le truc et puis merde en fait. Ah oui non, mais ou alors sortir sa grosse épée et les casser ces putains de branches. Hein. Si ça peut défoncer du faune là. Par paquet de 12. Oui, si ça se trouve, je peux déjà rassembler le truc. Putain, j'en sais rien. J'en sais rien et ça m'énerve. J'en sais rien et sincèrement, là, le fun n'est pas présent. Je vais quand même pas aller regarder un walkthrough en plein stream, c'est super pas professionnel, quoi. Non, vous savez quoi, je ne vais pas faire ça. Je vais maintenir le contrôle qualité qui est en place sur ce stream. Et jamais vous ne m'entendrez, au grand jamais, je ne regarderai un walkthrough en plein stream. Ça n'est pas quelque chose qui va arriver. Et je sais qu'il nous reste que 45 minutes avant que je doive partir bosser. Mais je me maintiens à ce genre de choses-là. Il y a un contrôle qualité sur ce stream. Il y a des choses qui se font et qui ne se font pas quand vous faites un stream. Et regarder un walkthrough, c'est quelque chose qui ne se fera pas. Hein. Comment ça, walkthrough en 42 minutes, vous foutez de la gueule du monde? Il dure 3 quarts d'heure, ce putain de jeu? Ça fait combien de temps que j'y suis, exactement? C'est pas possible, c'est une blague. Surely you jest. Alors... Climb up the ladder, ouais, descend, large set of doors, guards. Je sais même pas où je suis en fait. Match de Ravens, ok. Black de pass. Un call à Zulchotruc. Je suis sûr qu'elle est de bons conseils comme ça de bon matin. Elle a joué au jeu, je crois. Non, je pense pas. Non, non, je. Je pense même pas qu'elle répondra. Alors. J'essaye de regarder les trucs. Mais c'est super compliqué. Parce que le problème, c'est que comme toutes les zones de ce truc-là se ressemblent un petit peu, c'est compliqué de regarder où on est à l'intérieur du niveau, en fait. Rien que ça, c'est déjà un peu chiant. Alors, c'est les crows, hein? C'est pas moi qui fais les... Non. Oh, merde! Même dans le walkthrough, j'y arrive pas, putain! C'est effarant, quand même! Bon, deux secondes. On va faire ça autrement. Alors. Hop. Voilà. Est-ce qu'on en a un qui nous inspire un peu confiance? Parce que celui de 42 minutes, il m'inspire moyennement confiance, en fait. Et que j'ai pas envie de me spoiler des trucs non plus. Je sens que ça va être ça, le problème. Alors. Passer successivement les deux anneaux. Oui, normalement, oui, on a essayé ça.
Alors, on doit être dans cette zone-là, à peu près. Ça ressemble à cette zone-là, hein? Oui, ça ressemble à cette zone-là. Ok. Oui, je suis super lost. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Alors, on en était là. On a passé le portail qui... Sauf que quand lui, il arrive là, lui, il a déjà plus aucune rune. Attendez. Ouais. Alors, juste qu'on est, juste qui était, hein. Normalement, je les ai. Normalement, il me semble. Parce qu'on est monté là-haut. On a fait disparaître les trucs. Mais j'ai l'impression que lui, quand il passe le truc, il n'y a déjà plus rien en fait. Donc. Attends, je regarde le reste. Je regarde la suite vite fait. J'essaie de comprendre. Là. Là, il peut descendre dans les tranchées. Chaque portail te fait apparaître visuellement un élément. Attendez 2 secondes, je renlève la capture de fenêtre. Excusez-moi. Ah oui, vous l'avez même pas vu la capture de fenêtre en fait. Ok, très bien. J'ai mis une capture de fenêtre. Je ne l'ai pas fait apparaître à l'écran. C'est ça le rôle, nous, des influenceurs qui prenons leur rôle extrêmement sérieux. Est-ce qu'on peut pas descendre comme ça, cache dans le truc, non? Parce que là, effectivement, le truc est grand ouvert. Et comment je fais pour descendre? Là, peut-être? Non. Là? Non plus. Ah! Bon. Je suis pas sûr que tu aies exploité tous les portails. C'est possible que non, hein, c'est juste que je trouve pas le truc. Mais là, tu peux clairement descendre, là! Là, c'est clairement descendable, le machin. Ou alors c'est l'autre portail, encore. Bon, ça se nique. Je vais peut-être arrêter le stream là aussi, hein, c'est peut-être une solution. Ici? Mais ici, je peux pas, parce que là, il y a les pics en plein milieu du truc. Est-ce que je suis allé fouiller par là? Je suis peut-être pas allé fouiller par là. En même temps, je sais pas s'il y a une grande plus-value à aller fouiller par là. Première vue, je dirais non. Ce portail-là, qu'est-ce qui change? Attendez, on va reprendre les infos un peu les unes après les autres. Parce que ce portail-là, j'ai peut-être pas compris ce qui changeait, en fait. Si ça se trouve, c'est ça ce qui va être la clé du... Ça fait popper ce pont-là. Oui. Est-ce que faire popper ce pont-là nous apporte quelque chose? Portail ferme la mer... Ah, pour vous peut-être, pour moi c'est extrêmement chiant là. Ce portail ferme la muraille en face quand tu passes dedans. Mais ça fait... Look quoi? Oui. Look quoi? Moi je look, hein, je look des trucs, je look ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression de looker un peu pour un con là au bout d'un moment. Le portail en fait... Oui, celui-là, effectivement. Ce portail-là, il fait apparaître, disparaître les runes. Est-ce que dans ce sens-là, peut-être, il fait un truc?
Absolument pas. Et en plus de faire apparaître, disparaître les runes, est-ce qu'il fait des modifications à l'environnement? Parce que ça, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il efface les trucs. Et qu'au niveau de l'environnement, je vois aucune putain de différence. Bonjour, Etymologique. Parce que sinon, ce serait bien de pouvoir descendre par là, mais ça, ça a pas l'air d'être dans les projets du jour. Je peux descendre ici, parce que j'étais dans l'espoir de me dire « Ah, bah peut-être que ce mur-là, il serait ouvert maintenant que j'ai traversé là !» Mais là aussi, je peux me le carrer dans le fion avec la force de mille ouragans. Ah, c'est chiant! Mais c'est tellement chiant, mon Dieu! Excusez-moi, hein. Je sais que j'essaye d'être quelqu'un d'extrêmement positif dans la majorité du temps, mais y a rien qui me frustre plus que de passer une heure de stream à tourner en rond. Entomologique, pardon. Excusez-moi. C'est la frustration qui pointe, tel mes tétons. Non, non, she has no ID, c'est peut-être pas le moment de se foutre de ma gueule non plus, hein. Bordel de cul. C'est tellement casse-couille. Bon. On va reprendre depuis le début, calmement, et on va y arriver. Il n'y a personne qui a fait le jeu sur le chat qui aurait la moindre idée de ce qui se passe. C'est effarant quand même. Absolument pas. Magnifique. Bon. Let's go. Tous ensemble, nous allons regarder cette vidéo et on va essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai un soulier sous les yeux. T'as tellement tourné en rond que je sais plus à quelle étape tu es. Je ne sais pas moi-même. Où elle est, là? D'accord, donc même dans le... Même dans le long play, commentary, walkthrough, il se paume et il tourne en rond. Il y a un moment où tu vas dans le fossé. Je ne sais pas comment je descends dans le fossé, en fait. Il y a des moments où je vais dans le fossé, mais je suis interrompu au courant du fossé avec des pics. Tu es où, là, en fait? Où es-tu, mon ami? J'essaie de comprendre. Parce que ça, je pense que je vois globalement où c'est. Attendez, deux secondes. Une espèce de tour, là, et t'as un poteau qui dépasse, et tu peux marcher dessus, c'est ça? J'ai bien compris? Pause. Ok. Alors, on y va. Faut juste que j'essaye de trouver... L'espèce de tour en rond, là. Oui, regardez. À pas passage, à passage. Est-ce que ce serait ça, la solution qui débloquerait tout? Est-ce que ce serait ça, la raison pour laquelle je cours depuis trois quarts d'heure et que j'ai l'air d'un con? Ne répondez pas chez vous. Parce que du coup, ça, ça me permet de descendre là-dedans. Ah non. Parce qu'on retombe exactement au même putain de point. Je le vis bien. Je le vis super bien. Vraiment, là, là, tel que vous me voyez, je suis un parangon de détente. Non, parce que je peux baisser ce pont-là, que je pouvais pas baisser avant. Je suis certain que ça va tout changer. Bon, au moins, on a un début de progression. Parce que là, du coup, je peux descendre dans la fosse. Mais pas par là. Je peux descendre dans la fosse par ici.
Mais ça change pas grand-chose au problème, puisque là, je suis bloqué. Ok. Ensuite. Est-ce que ce blocage-là, je peux le faire sauter? Est-ce qu'il existe un smecta qui permettrait de régler ce problème? Ah oui, non, mais la qualité du live ce matin, c'est une catastrophe, hein. La qualité du live ce matin, c'est un crime contre la médieu, soyons très clairs. J'ai abandonné toute prétention de faire un truc à tant soit peu correct depuis une bonne demi-heure, là. Là, je veux juste que ça se termine. Pourquoi tu peux pas descendre là? Pourquoi? À cause des deux picouzes qui sont sur le côté, là? Là, il n'y en a pas de picouze. Pourquoi tu peux pas descendre, bordel? Fais un effort, Josiane. C'est 3,50 m. Même moi, je le descendrais. Et en troisième trimestre de PS, en troisième, dans mon bulletin, il y a eu marqué « Trop nul pour être noté ». Alors, comment te dire? Bon. Je ne ressens pas la moindre frustration. Ensuite. Deux secondes. Là, c'est le tour, ça c'est la planche, donc ça on l'a vu. Faut que j'arrête de jumper comme ça, c'est pas une bonne idée. Attendez. Ah oui, merde, je l'affiche pas à l'écran, mais quel con. Attendez. Hop. Hop là. Vous savez quoi, on va faire ça, ça sera encore plus simple. Ok. Mais comment ça se fait que toi, tu aies déjà les trois quarts des trucs qui aient disparu et moi, je ne les ai pas? Ok, on va rewind un peu plus parce qu'il y a clairement un truc qui m'a échappé plus tôt. Et ne commencez pas vos vannes avec le chien de Mickey, s'il vous plaît, c'est vraiment pas le moment. Ça se trouve, il y a un portail tout con qui fait disparaître l'autre moitié que j'ai loupé jusqu'ici. Et je vais me sentir gros Jean comme devant dans 2 minutes. Genre ce portail-là. Ce portail-là, il est où? J'y accède comment? Ok. Ça, c'est le truc de base. Ça, c'est le début des emmerdements. Ensuite, par où tu passes? Qu'est-ce que tu fais? Parle-moi. Parle-moi! D'accord, tu cours derrière les arbres, ok, soit. Hein, oui. D'accord. Non, she has no idea, on n'y est toujours pas. Hein. D'accord, ok. Donc on passe là, il y a la planchouse. La planchouse de la loose, certes. Go on. Keep going. Non, attends, je devrais pas faire ça du tout. Je devrais pas sauter le moindre truc parce que sinon je ne sais plus où je serai. Ça, c'est une très mauvaise idée ce que je viens de faire. Donc. Là, on a le pont qui est pété. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette putain de tour-là? Vous allez me dire qu'il y a une tour entière que j'ai pas vue? Vous allez sérieusement me dire qu'il y a une tour entière devant laquelle je suis passé 14 fois et que j'ai pas vu? C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est sérieusement ce que vous êtes en train de me dire, en fait. C'est ce que tu es en train d'insinuer, jeu vidéo. Je vais pas péter les plombs, c'est faux. Je vais pas du tout péter les plombs. Qui a dit que j'avais pété les plombs? La personne qui a dit que j'avais pété les plombs me connaît mal, hein, sachez-le. Hein, je suis un parangon de coolness, moi. Genre cet énorme truc là-bas. La capture de fenêtre, pardon. Excusez-moi. Genre l'énorme tour juste là. Vous voulez dire que ça, je l'ai loupé? Je voulais dire que ce truc-là, je ne l'ai jamais vu jusqu'ici.
Ce machin. Cet énorme machin-là. Oh, bon, on va appeler ça le stream de trou, hein. C'était... Celui-là, on va appeler ça le stream que j'aurais clairement pas dû faire, hein. Voilà. Ok. Comment j'ai pu louper ça? Dans quel univers j'ai pu louper un truc si énorme? Je suis sincèrement désolé et confus par les suites d'actions qui viennent de se passer. Vraiment. J'aimerais présenter des excuses personnelles aux 49 personnes qui regardent ce stream à l'heure actuelle. Parce que... Je ne vais pas mourir. Donc...